Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est sur le fil pour faire les tops et flops de janvier. Le 31, c'est pile poil. Je vais commencer par le matériel parce que des choses, il n'y en a pas beaucoup. Et puis après, je vous parle plutôt de l'immatériel. En number one, le méga flop, c'est moi. J'ai craqué, je me suis racheté un eyeliner noir conventionnel. J'ai pris lequel? C'est le Maybelline Tattoo Liner. J'en avais marre des eyeliners qui ne tiennent pas et du coup au bout d'un moment j'ai fait écoute tu vas quand même pas en tester 25 000. Donc je suis allée chez Monop, j'en ai essayé plusieurs sur le dos de ma main et j'avoue que celui-ci, le soir je me suis douchée, il me semble que j'ai fait même un peu de vaisselle. Il a duré jusqu'au genre lendemain midi, alors après je suis pas allée exprès récurer mais j'ai fait ma vie normale et il a tenu. Donc je me suis dit bon, il devrait tenir aussi en muqueuse. Et en fait... pas ouf de tant que ça en muqueuse en plus, et je dois avouer que quand je le mets j'ai un petit peu le... alors c'est pas une douleur, c'est pas une démangeaison, c'est une petite gêne, j'ai mal aux yeux ou voilà, pas très très agréable, donc peut-être que mon corps s'est déshabitué de tout ce qu'il y a dedans, je ne sais pas, mais voilà, je voulais partager ce petit moment de faiblesse, encore un eyeliner que je ne vais pas utiliser jusqu'au bout, et ça commence vraiment à m'énerver, j'en ai marre. Ensuite, un deuxième flop, c'est le dentifrice au charbon de chez Pachamamaï, que j'ai acheté sans trop savoir en fait ce que c'était. Ça se présente comme ça, c'est un petit galet. Après vous rachetez que le galet, donc c'est zéro déchet et tout, c'est bien. Le truc c'est que dans le magasin où je l'ai acheté, il n'y avait rien du tout sur description et tout. Et c'est en vous en parlant et en mettant une photo sur Instagram où j'avais les magnifiques dents noires, que tout le monde m'a dit, ah bah charbon c'est pour blanchir les dents, attention, faut pas trop en faire et tout ça. Je vous avoue, très honnêtement, je suis un peu bête ou naïve, je ne sais pas, je ne le savais pas du tout. Et je n'ai pas du tout envie de me blanchir les dents spécialement, pour moi c'était juste un dentifrice zéro déchet et c'était bien. Vu ce que vous m'aviez dit, bah, j'ai regardé, je me suis dit bah, ça doit être marqué quelque part, et c'est marqué de nulle part. Le côté blanchissant et le côté attention, le faites pas tous les jours. Quand je l'ai acheté dans le magasin, ils ne l'ont pas dit non plus. Pour moi ça devrait être quelque part sur le produit, parce qu'il y a des gens comme moi qui ne sont pas au courant et qui risquent de s'agresser les dents un peu pour rien. Donc je trouve ça un petit peu dommage, je prévois toujours, il y en a certaines d'entre vous qui me reparlent de temps en temps, mon ami dentiste avec qui je dois faire une vidéo vient normalement d'ici 15 jours, 3 semaines. On parlera des dentifrices bio, on parlera des dentifrices à se faire soi-même, et si vous avez d'autres questions, eh ben, dites-le moi, parce que je veux pas que ça fasse 35 minutes non plus, mais ça peut être intéressant d'avoir un point de vue pro sur tout ça. Et enfin le dernier produit, c'est toujours un petit peu dans le zéro déchet, c'est une marque qui s'appelle Cozy, que vous avez peut-être déjà vu, moi j'avais déjà vu en magasin à la Biocoop, en magasin en vrac et tout ça. C'est un système de flacons de produits soins en verre, et en fait on rapporte le produit une fois qu'on l'a terminé, et on a une petite réduction, genre c'est 1,50€ à payer en moins sur le produit d'après qu'on rachète. Donc c'est pour que, en gros c'est une sorte de consigne de l'emballage, on le rapporte et comme ça c'est réutilisé par la marque. Il a coûté environ 10€ je crois. Il a une petite odeur fraîche, mentholée, un peu herbe mais agréable. J'ai l'impression qu'il fonctionne. Son seul petit défaut je trouve c'est qu'il descend un peu vite. Là ça fait 10 jours que je l'utilise, on en est déjà à un tiers. Normalement j'utilise pas un déo par mois, mais il est pas mal. Si vous l'avez essayé, je veux bien votre avis aussi. Moi je l'aime bien. Après je transpire pas excessivement non plus, donc pour une transpiration moyenne, j'ai envie de dire il est pas mal. Et je n'ai plus rien de matériel à vous montrer, donc on va passer aux immatériels entre guillemets. C'est pas vraiment immatériel, mais c'est un peu plus le côté culture et tout ça. La première chose, c'est que j'ai relu pour la première fois depuis des années des livres en français. Et oui madame. Le premier c'était La Tresse, je vous en ai parlé dans mon dernier top et flop, donc je vous refais pas le truc, mais si ça vous intéresse, je l'ai bien aimé et je trouve qu'il est intéressant à lire, la forme est sympa. Et les deux autres, ce sont des livres dont je veux vous parler parce que moi personnellement, je ne les aurais jamais achetés et au final, je les ai bien aimés. C'est ma cousine qui m'a offert ça pour mon anniversaire. Le premier, c'est Les gens heureux lisent et boivent du café. Et le deuxième, c'est La vie est facile, ne t'inquiète pas, qui est la suite. Et ils sont de Agnès Martin-Lugan, que moi personnellement, je connaissais pas trop. Et ma maman m'a dit qu'elle en avait lu plein d'elle et qu'elle adorait et tout ça. La raison pour laquelle moi je ne les aurais pas achetés, et elle est complètement débile, mais c'est que les gens heureux lisent et boivent du café, j'aime pas du tout ce titre. En fait je trouve que ça fait méthode aimons les plaisirs simples de la vie et tout ira bien. Vous voyez ce que je veux dire, les livres de
Arrêtez-vous, respirez, souriez, et essayez les trucs un peu de motivation pour trouver le bonheur dans les petites choses qui sont cool, mais que je trouve parfois un petit peu caricaturaux. Je suis peut-être très méchante, vous adorez peut-être ce titre, hein, c'est vraiment mon opinion personnelle. Mais voilà, et donc j'ai commencé ce livre pas hyper convaincue. Les premiers chapitres, j'avoue, j'étais un peu sceptique en me disant « Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et en fait, bah, les 5 derniers chapitres, je les ai lus le même soir en me disant allez, encore un, allez, je veux savoir la suite, allez, je veux savoir la suite. Et la suite, je l'ai dévorée aussi en, je pense que je l'ai lu en 2 ou 3 jours. Donc je vous les conseille, et ça se lit hyper facilement. C'est une histoire qui est jolie, c'est sympathique, c'est mignon, c'est... Voilà, ça se mange comme une petite friandise. Et puis ça donne un petit peu envie, je vous raconte pas parce que voilà, mais ça donne envie, voilà. Celles qui ont lu pourront le comprendre, et on ne fait pas de spoil dans les commentaires, même si on peut donner son avis. Vous racontez pas l'histoire, bien entendu. Ensuite, en émission de télé, il y a eu un Capital, sur, je regarde pas spécialement beaucoup, mais sur le gaspillage, et c'était bien. Je pense que pour commencer à s'informer sur notamment le zéro déchet, ça peut être une bonne motivation, parce que c'était un petit peu hard, notamment Amazon qui jette, détruit plein de produits neufs, le déchet alimentaire, et le troisième c'était sur les vêtements, la fast fashion, qui est un sujet qui m'intéresse pas mal quand même. Et pareil, je me suis dit, pour quelqu'un qui en a jamais entendu parler, ça peut être un bon déclencheur, ou un bon « Ah tiens, je vais m'y intéresser, je vais regarder un petit peu ». C'était assez hallucinant de voir tous ces vêtements qu'on produit en trop, et qu'au final on va jeter. Et de voir en fait tout ce gaspillage, ça m'a aussi un peu renforcé mes convictions sur le « on consomme trop, on n'a pas besoin de tout ce qu'on a » et tout ça. Et je me rends compte en fait aussi que maintenant, pour m'acheter des trucs, eh ben, j'ai un processus de réflexion vachement plus long qu'avant. Je fais plus ou quasiment plus d'achats impulsifs. Là j'ai vu une paire de chaussures, parce que j'ai pas de chaussures basses pour porter avec des jupes culottes ou des jupes l'hiver. D'ailleurs, si vous avez des conseils, je suis preneuse. Je cherche, je pense, des derbies, mais des derbies costauds, quoi. Et par exemple, ce genre d'achat veut m'acheter des trucs qui durent, des trucs peut-être plus chers, mais qui donnent aussi la conscience de bah, tu vas en prendre soin, tu vas les garder super longtemps et ce sera de meilleure qualité. Ensuite, petit point ciné, je suis allée voir que 2 films ce mois-ci. Je suis allée voir Ben Is Back avec Julia Roberts, et je suis allée voir Undercover avec Matthew McConaughey, que décidément j'aime vraiment beaucoup beaucoup. Ben Is Back, je savais pas du tout à quoi m'attendre, j'avais vu que l'affiche, donc forcément j'avais déjà des idées, mais c'était pas exactement ça. Et je veux pas vous raconter l'histoire, mais je l'ai trouvé assez intéressant, ce film, et à la fois pas spectaculaire, c'est pas un gros film d'action et tout, mais on rentre assez vite dans l'histoire quand même, et on a envie de les aider ou d'être avec eux. C'est assez prenant. Et puis ça fait du bien de voir Julia Roberts dans un film comme ça. Et le deuxième, c'est Undercover. C'est une histoire vraie. Vous savez peut-être que moi, les histoires vraies, je kiffe ça. Et avec Matthew McConaughey, et avec un petit ado dont j'ai oublié le nom. Mais le mec, il a pas la vingtaine, c'est sûr, il est plus jeune que ça. Il est hyper cool, quoi. Je sais pas comment vous dire, il est son personnage, quoi. Il est super crédible, en fait. N'hésitez pas à aller le voir. Ensuite, petite astuce qui me vient d'une de mes collègues. On parlait d'huiles essentielles et de nettoyage et de maisons qui sent bon et tout ça. Et en fait, elle me disait qu'elle mettait une petite goutte d'huile essentielle à plusieurs endroits dans sa maison, mais pas forcément par des diffuseurs ou par des trucs bougies, etc. Elle mettait une ou deux gouttes sur du bois, et en fait, l'odeur tient bien. Et je me suis dit, bah tiens, je vais essayer, je vais regarder les huiles essentielles que j'ai chez moi pour essayer de parfumer ma maison. Et j'avais menthe, donc j'ai fait, bah menthe, très bien, on va essayer ça. Et j'en ai mis un petit peu, vous savez, vous avez votre porte, et j'en ai mis sur l'épaisseur de la porte une petite goutte, et comme ça, ça se voit pas, même si ça fait une petite tache dans le bois, ce que j'ai pas pu vérifier, mais je crois pas. J'ai mis une goutte là, et en fait, l'odeur est hyper agréable, c'est assez soft. Le jour J, on se dit, oula, j'en ai quand même mis trop, et puis voilà, un ou deux jours après, ça se diffuse un petit peu. Et effectivement, c'est pas mal. Elle m'a dit aussi qu'en faisant ça avec l'huile essentielle de géranium pour l'été, ça pouvait éloigner les moustiques. Donc si vous avez déjà fait ça et qu'il y a une odeur qui a été super cool, ou qu'il y a d'autres effets bénéfiques, n'hésitez pas à nous le laisser. J'ai trouvé ça hyper malin et facile, en fait. Très très facile d'utilisation. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est que au mois de janvier, je sais pas ce que... Il n'y a rien eu de spécial, mais j'avais plus trop envie de poster sur Instagram. Alors ça, c'est pas un problème en soi, hein. J'ai aucune obligation de poster, je le sais. Mais je sais pas, je pense que c'est parce que aussi... j'ai moins de trucs que je regarde avec plaisir,
petit à petit des comptes que je suis depuis des années m'intéressent un peu moins. Je sais pas si vous avez le même ressenti, que vous avez moins de plaisir à y aller sur Instagram ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je veux bien votre ressenti parce que vous savez, il y a des modes de réseaux sociaux aussi. À une époque, tout le monde était sur Facebook et puis petit à petit ça a baissé. Puis j'ai l'impression que plus personne poste rien et que c'est vraiment plus pour les événements, les trucs culturels ou les sociétés. Moi, ça fait des années que j'ai plus de compte Facebook et que ça me manque pas du tout. Et du coup, il y a des espèces de vagues de modes qui vont, qui viennent, et je trouve ça assez aussi intéressant de percevoir un petit peu ces petits changements. Je dis pas que Instagram va mourir du tout, hein, mais ça m'intéresse d'avoir votre impression aussi. Bref, j'ai l'impression d'être partie un petit peu dans tous les sens dans ce top et flop. Peut-être parce qu'il est très tôt, j'ai commencé à filmer avant 7h du matin, là il est 7h25. Donc c'est peut-être ça, j'ai peut-être les idées encore un peu embuées, donc je m'excuse si c'est n'importe quoi, mais j'ai l'impression d'avoir dit pas que des choses complètement débiles. J'espère vraiment que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de janvier, que tout le monde va bien autour de vous, que vous prenez du temps pour faire des trucs qui vous plaisent. Et je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine, à lundi. Ciao.